À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent « Faits divers », une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir « La charmeuse de serpent », une nouvelle radiophonique de Femme Van Key. Le concours « Attention aux machines » et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Guizolle, Marguerite Cassan et Jacques Borel dans La charmeuse de serpent, une nouvelle policière de Femme Van Key. Votre nom, votre âge, etc. Sarah Mir. 25 ans, célibataire. Profession ? Je comprends votre pudeur, douce Sarah Mir. Je lis dans le dossier, profession, sculpteur de statuettes, statuettes de Krishna. Piquant ? Piquant. En effet, c'est à la demande du dieu Krishna que... Qui est-ce qui nous dit que c'est à sa demande ? Je rappelle au public qu'il lui est formellement interdit soit de manifester... soit de commenter les paroles du tribunal. J'ai dit à la demande du dieu Krishna, parce que nul ici n'ignore que les divinités des temples possèdent légitimement des propriétés, et pour les protéger, ont le droit d'intenter des actions en justice. Donc, par l'intermédiaire du supérieur de son temple, le dieu Krishna vous poursuit, Sarah Mir, en tant que locataire d'une maison lui appartenant, pour non-paiement de 2 trimestres de loyer. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Rien, votre honneur. Rien ? Mais défends-toi, Jaramir ! À vrai dire, le dieu Krishna me loge autant que je le loge, votre honneur. Où j'habite, j'héberge effectivement 30 statuettes de ce dieu, et je me sers un peu plus chaque jour pour qu'il soit à l'aise. Il n'en demande pas tant. L'a-t-il dit à votre honneur ? Et puis, je loge sous son toit. C'est normal que je le sculpte de préférence à d'autres. Je lui dois cette politesse. Devant le tribunal, vous lui devez surtout un gros arriéré de loyer. Qui est-ce qui représente ici le dieu Krishna ? Moi, votre honneur. En vérité, et plus modestement, je ne représente ici que le supérieur de notre temple. Silence ! L'impopularité de votre supérieur me semble plus grande que la vôtre. Êtes-vous son assistant ? En principe, votre honneur, puisque je suis appelé à lui succéder un jour. Mais pour le moment, je ne suis qu'un factotum. Mon nom est Nanak. Le supérieur a donc trouvé bon de ne pas se présenter lui-même devant la cour. Il est en train d'officier, votre honneur. Vous dites cela sur un ton de convoitise. En effet, votre honneur, car j'estime que la charge de célébrer l'office est plus digne de moi que celle d'encaisser les loyers. Pour le supérieur aussi, je présume. Bon, lui, il s'abîme avec délices dans ses registres de comptabilité. Vous le disiez en train d'officier. C'est la même chose. Quand il calcule, il psalmodie. Votre honneur va en juger. 2 et 2 font 4. Je retiens un. Je retiens un, voilà qui est contraire à toutes les règles de l'arithmétique. Et cela signifie tout simplement que sur 4 roupies qui proviennent du recouvrement des loyers,
Le supérieur en retient une. Pour sa peine? Pour sa cassette? Il thésaurise le Saint-Homme. Huissier, faites sortir cette jeune personne. Oh, je suis cité dans cette affaire, votre honneur. Dans ce cas, taisez-vous. Vous ne parlez que lorsque je vous ai donné la parole. Maintenant, moine Nanak, quelles sanctions souhaiteriez-vous que je requière contre Saramir? Pour m'en tenir strictement aux instructions de mon supérieur, l'expulsion pure et simple, votre honneur. Avant d'en venir à cette extrémité, la cour doit s'assurer s'il n'y aurait pas dans la salle quelqu'un susceptible de se porter garant de la solvabilité de Saramir. Moi, votre honneur. Déclinez votre identité. Mipa, 23 ans, célibataire. Profession? Charmeuse de serpents. Un oiseau rare, en somme. Car je n'ai jamais entendu parler jusqu'ici d'un charmeur de serpents du sexe féminin. La femme indienne s'émancipe, votre honneur. Huissier, je vous avais ordonné d'expulser cette jeune personne. C'était fait, votre honneur, mais je rentre pour déposer. Alors, dites vos noms, âge, qualité. Mon nom est White, 30 ans, célibataire. Voilà trois célibataires qui auront défilé devant la barre. Les jeunes filles de l'Inde ne se marient-elles plus? Elles prennent tout le temps pour réfléchir, votre honneur. C'est jadis qu'il fallait réfléchir aussi longtemps, car il y avait des bûchers des veuves. Mais à présent... À présent, votre honneur, il y a des maris qui ne meurent jamais. Votre profession? Président. De quoi? D'une institution avouable? De la Ligue féminine de l'émancipation. Oh, c'est déjà beaucoup mieux que l'apprivoisement des serpents. Mais serait-ce à proprement parler un métier? Je désire seulement attirer l'attention de la cour sur la situation exceptionnelle de Saramir. Saramir le sait d'ailleurs elle-même. Autrement, je n'oserais pas le dire, et qu'elle me pardonne de le dire ici. Quelle solennité, mademoiselle Wye. On voit que vous avez l'habitude de présider. Saramir est condamnée, votre honneur. Condamnée par son médecin, elle n'a plus que très peu de temps à vivre. Et l'expulsion pure et simple que réclame cet endormi de Nanak... Oh, moi, j'ai l'habitude d'être injurié. Mademoiselle Wye, pouvez-vous me produire une attestation médicale? Elle nous eût coûté trop cher, votre honneur. Mais le commissaire Singh, qui est dans la salle... votre honneur, oui, j'ai déjà eu affaire avec Saramir, j'ai vu son médecin. Votre témoignage me suffit, commissaire. Bien. Moine Nanak, qu'avez-vous à dire sur la requête de mademoiselle Wye? Personnellement, je la tiens pour valable, votre honneur, mais... Désirez-vous que je suspende la séance pour vous permettre de consulter votre supérieur? Tel que je le connais depuis 5 ans, il sera sourd à cet appel, votre honneur. Il s'en remet au tribunal du soin d'appliquer strictement la loi. Tête de hibou! Tes tantes n'ont pas eu de nez pendant 5 générations, et tes sœurs... Silence, Nipa! Est-ce avec ces injures traditionnelles que vous vous émancipez et charmez vos serpents? Je regrette donc, mademoiselle Wye. La cause est entendue. La cour prononce l'expulsion pure et simple de Saramir. Huissier, affaire suivante. Je retiens, ça a fait un effet au tribunal. Et ne vous mêlez pas de ma comptabilité, Nanak. Je vous ai assigné un rôle une fois pour toutes. Et que vous le vouliez ou non, vous le remplirez jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais vous n'êtes pas immortel, que je sache, frère supérieur. Insolent. Non, je ne suis pas immortel. Mais à moins qu'on attente à ma sainte vie, je suis bâti pour vous enterrer, Nanak. Et factotum vous êtes, factotum vous mourrez. Vous ne serez jamais un officiant, même dans la prochaine existence. Où en êtes-vous de l'expulsion de Saramir? Le commissaire Singh a exécuté la sentence, mais le bruit ne tardera pas à se répandre. Que j'abrégerai encore le peu de temps que Dieu accorde à Saramir. Tout le monde est condamné ici-bas. Où loge-t-elle en ce moment? Chez Mipa. La charmeuse de Cobra? Oui, celle qui a toujours l'injure à la bouche. Une bouche heureusement plus petite que les yeux. Heureusement. Car les yeux reflètent une certaine bonté. Nipa, n'est-elle pas en instance d'expulsion? Non, ses affaires ont l'air de marcher. Avec ses 3 pauvres petits cobras. Elle en a peut-être acheté d'autres. Ou plutôt elle va en acheter.
en soldant par exemple les 30 statuettes de Saramie. Et pour le moment, Saramie les expose sur le trottoir. L'impudente. Hein? Elle se venge? Non, frère supérieur. Mipa est déjà trop à l'étroit chez elle. Transportez-les au temple. Les deux jeunes filles. Mais non, imbécile, les statuettes. Transportez-les au sanctuaire. Au sanctuaire, elles seront du coup consacrées. Elles perdront toute leur valeur marchande, si j'ose dire. Mais justement, imbécile. Saramie, ne pouvant plus les vendre, nous les aurons ainsi pour rien. Saramie nous traînera devant le tribunal à son tour. Mais jusqu'ici, c'est Krishna qui a gagné tous les procès. Et s'il n'y avait pas de procès du tout? C'est-à-dire? C'est-à-dire, si Saramie a réglé elle-même votre affaire. La douce Saramie. Le moindre vent la courbe, la plie comme un roseau. Et depuis quand assassine-t-on pour 30 statuettes? On a assassiné pour bien moins que cela. Quelquefois même pour rien, pour se soulager, tout simplement. Et depuis quand assassine-t-on un saint homme? On assassine régulièrement des gérants d'immeubles. Ouais, c'est bavardé. Vous enlèverez les statuettes ce soir. Car avant que la nuit ne tombe, vous avez juste le temps de me raser la tête. Et réjouissez-vous-en. Je n'accorde pas cet honneur à tout le monde. Ne dois-je pas plutôt aujourd'hui couper des herbes pour vos onguents et vos infusions? Et remettez ça à demain. Mais à propos, Nanak, il y a des herbes qui ne sont pas bonnes pour les infusions. Depuis 5 ans, n'avez-vous pas envie par hasard, enfin, n'avez-vous pas tenté de m'empoisonner? Pourquoi, frère supérieur? Pour vous soulager, tout simplement. Me soulager de quoi, frère supérieur? Mais de vos 5 ans d'humiliation. Commissaire Singh, que le meilleur de votre passé soit le pire de votre avenir. Salut. Salut, moi Nanak. Que la tyrannie de votre supérieur vous soit légère. Elle m'est légère, en effet, depuis hier au matin, depuis que le supérieur a disparu. Alors profitez-en pour officier tout votre sou. C'est fait, et je m'en trouve merveilleusement bien. Mais je ne plaisante pas. Il n'avait guère l'habitude de partir ainsi sans me prévenir. Or, la pensée que j'officierais à sa place suffisait pour le retenir au temple jusqu'à son dernier souffle. C'est donc très sérieux. Ah, eh bien, je vais partir immédiatement à sa recherche. Vous m'accompagnez dans la forêt? Dans la forêt? Et pourrait-il s'égarer, sinon dans la forêt? L'office me requiert nuit et jour. Je regrette. Secrétaire, vous êtes prêt? Bon, je dicte. Le commissaire Singh à monsieur le commissaire principal de Bénarès. Vous y êtes? Bon. La disparition du supérieur m'ayant été signalée par le moine Nanak, ci-joint un rapport annexe concernant les préliminaires de l'affaire. Je suis parti immédiatement à sa recherche. Après une longue promenade, je suis tombé... Non, effacez une longue promenade. Après une marche harassante, je suis tombé sur le cadavre du saint homme. Il était étendu sur le dos. Sur le dos. En travers du sentier de chèvres qui commence à 50 mètres du temple pour traverser la forêt de bout en bout. Vous y êtes? Bon. À en juger par les traces des pas, les seules récentes relevées sur les lieux, le supérieur avait couru pieds nus. Pieds nus, et soulignez bien, couru et pieds nus, n'est-ce pas? Bon. Et, à cette allure, il se trouvait à environ un quart d'heure du point de départ. Point. Point, à la ligne. C'est ça, oui.
Sur le champ, j'ai procédé à un premier examen du corps, sans le bouger. Cela allait de soi. Point. J'ai pu ainsi apercevoir deux grosses enflures violacées qui semblaient avoir été produites par la morsure de deux serpents. Souligné deux. Deux serpents. Hein? Bon. Car un seul... Car un seul serpent ne mord jamais deux fois à la fois à un moment donné. Point. À la ligne. Dès maintenant, trois questions se posent. Deux points. Premièrement, vous êtes allé à la ligne, oui. Bon, très bien. Premièrement, pourquoi le saint homme a-t-il couru et pieds nus? Deuxièmement, a-t-il été mordu au temple même ou dans la forêt? Ou dans la forêt? Vous y êtes? Bon. Troisièmement, s'agit-il d'un meurtre ou d'un accident? Un point à la ligne. Bon. Il est difficile de répondre d'ores et déjà à la première question. Il en va autrement des deux autres. Ainsi, à la seconde question, je réponds. Le supérieur a été mordu au temple même. Pourquoi? Parce que, de part et d'autre du sentier de chèvre et du temple, jusqu'à l'endroit où reposait le cadavre, jusqu'à beaucoup plus loin, virgule, la forêt avait été brûlée ras au cours du dernier incendie. Point. Incendie, c'est ça. Aucun serpent ne saurait vivre ni s'aventurer dans cette désolation. Point. Le supérieur a été par conséquent mordu au temple même. Or, virgule, le temple est bâti sur un terrain nu, complètement nu et soigneusement clôturé. Aucun serpent de forêt ne saurait s'y égarer. Point. Conclusion. Le supérieur a été mordu par deux serpents de ville. Souligné de deux serpents de ville. Hein? C'est pas mal trouvé. On dirait deux auxiliaires de la police. Continuons. Bon, deux serpents apprivoisés que des mains criminelles auraient jetés contre le saint homme pour des mobiles qui restent, bien entendu, à établir. Point à la ligne. Il fait chaud. À la troisième question, je réponds. Il s'agit apparemment d'un crime. Il est rare qu'un religieux soit mordu par un serpent, du moins en Inde. De par l'harmonie de sa vie intérieure, il cohabite volontiers avec les fauves, et les reptiles les plus venimeux. Les exemples en abondent. Bon, ça va, ça suffit. Un point et à la ligne.
m'y pas. Que le meilleur Vauguin d'hier soit le pire de Vauguin de demain. Je ne parle pas de Vauguin d'aujourd'hui puisque vous ne travaillez pas. Oui, oui, je passais là sur la place du marché et je me suis demandé si vos trois cobras n'étaient pas souffrants. Quelle sollicitude tout à coup, commissaire. Enfin, ils dorment dans un de ces trois paniers, non ? Assurez-vous-en vous-même. Ah ah, sans flûte ? Non, ils me mordront. Mais non, un cobra ne mord que si l'on l'attaque, voyons. Vraiment ? Bah, jouez-leur quand même un petit air langoureux, je préfère. Je ne joue jamais pour rien. Ah ben, qu'à cela ne tienne, tenez. Voilà 3 roupies. Quoi ? Ah ben, disons 5. Hein. Ah. Pas de rose ? Vous promettiez trop, commissaire. Enfin, rien. Allez, jouez-moi un petit air de flûte. Ah non. Sont-ils mignons? Regardez-moi ça! Regardez-les, hein! Regardez-moi cette gueule, hein! Oh, mais dites donc! Ils ont des dents rudement pointues, là, et recourbées! Et cette langue fourchue! Ça me fait peur, hein! Regardez-moi ça, si c'est extensible! Oh! Oula! Ah, cette façon de se dresser, là, sur leur queue, hein! Mais ils sont presque aussi grands que moi, regardez-moi ça. Oh ! En voilà un qui dilate son cou. Oh, on dirait un disque, regardez-moi ça, c'est formidable. Mais pourquoi pas les deux autres, Mipa, hein ? Quand un cobra dilate le cou, c'est qu'il s'irrite. Et quand il s'irrite ainsi, on peut voir son crochet à venin. Ah, attention, n'approchez pas trop. Merci, mais où est-il son crochet à venin ? Là, en avant de la mâchoire supérieure. Caché dans un repli de la gencive. Caché quand le cobra est en repos, d'accord. Mais là, il s'irrite, hein. Il ouvre toute grande sa gueule, regardez, tenez. Vous êtes bien renseigné. Donc, si vous ne voyez pas de crochet à venin, c'est que ce cobra ne l'a plus. Ah, et les deux autres? Il se peut que les deux autres aient encore le leur. Et pourquoi auriez-vous deux cobras venimeux sur toi? Ah, vous ne m'avez pas payé pour savoir cela, commissaire. Oui, c'est juste. Bon, abattonné. Allez, voilà encore une roupie. Une roupie. Voilà. Le détail ne serait donc pas très important pour vous. Que cachez-vous, commissaire Singh? Peut-être un crochet à venin? Avez-vous un mandat d'amener? Quoi? Un mandat d'amener contre qui? Mais les cobras! Ah! Ah bon? Contre qui croyez-vous donc? Mais contre personne. Seulement, on n'emploie pas le terme de mandat d'amener pour des serpents, oui. Et quelle différence y a-t-il entre un serpent et vous, commissaire? Ah, voici Mademoiselle Wye. Salut, présidente. À bientôt, Mipa. À bientôt, commissaire. Vous repartez les mains vides? Je n'ai pas de mandat d'amener, Mademoiselle Wye. Pas encore. Au fond, je trouve ce commissaire bien sympathique, non? Méfie-toi de ce charmeur. Où est Sarah Mir? Ah, elle est couchée. Pauvre chérie, elle a reçu un choc. C'est mon tour de la soigner. Salut, moine Nanak. Que l'office vous soit léger. Salut, commissaire. Que le meilleur de votre carrière soit le pire de votre retraite. Quelle nouvelle du supérieur? Eh bien, je suis rentré bredouille de la forêt. Ouais. Dites-moi, quand avez-vous vu le supérieur pour la dernière fois? 3 soleils se sont couchés depuis. Mais à quelle heure? Le soleil était à une perche au-dessus de l'horizon. Très poétique. Mais à quelle heure, quelle minute, quelle seconde exactement? Nous autres religieux officiants, nous ne pratiquons pas ce temps-là dans notre enceinte. Et tout de même, veuillez me préciser ceci. Le soleil qui se trouvait à une perche au-dessus de l'horizon venait-il de se lever allègrement ou bien s'apprêtait-il, recru de fatigue, à se coucher? Il venait de se lever. Bah, ben voilà qui est mieux. Donc, vous avez vu le supérieur pour la dernière fois il y a 3 jours à peu près, vers 8 heures du matin. N'est-ce pas l'heure de son premier office? En effet, il se préparait à officier. Et à officier seul, à en croire vos insinuations au tribunal. Où l'avez-vous vu? Il passait devant ma cellule. Où est-elle? Là-bas. Donc, en dehors du temple, proprement dit.
Comme il passait devant ma cellule, il m'a jeté sur le ton qui lui était coutumier. C'est-à-dire? De mépris. Il m'a jeté. N'oubliez pas les herbes pour les onguents et les infusions. Des onguents et des infusions pour lui? Évidemment, pour ses yeux. Sa vue baisse de jour en jour. Sa vue baissait? Bien. Et ce fut là cette dernière parole, du moins pour vous. Ensuite? Ensuite, il s'est dirigé vers le temple. Sur le seuil, il s'est déchaussé, n'est-ce pas? Oui, puis il a pénétré dans le sanctuaire et je l'ai perdu de vue. Et vous? Moi, je suis parti pour la forêt. Immédiatement? Oui. Pourquoi avez-vous hésité avant de répondre? Oui. Avant chaque réponse, je prends le temps qu'il me plaît, commissaire. Bon. Mais maintenant, pour les herbes, vous n'en trouvez qu'au-delà de la zone brûlée par le dernier incendie de la forêt. Oui. À 1 heure d'ici. À 1 heure d'ici en marchant. Mais pourquoi courais-je? Quelle sorte d'herbes? Elles sèchent là-bas, dans la cour. Allons les examiner de près. Vous n'en avez pas coupé d'autres? Pourquoi faire? En dehors de la vue qui baisse, vous savez, et d'autres maladies menacent l'homme. La colique, la diarrhée, le choléra, la peste, que sais-je encore, moi. Pff, tenez, j'allais oublier. Les morsures de serpents. Et on rencontre des serpents là où vous coupez vos herbes. Mais ils ne mordent que lorsqu'on les attaque. Pas toujours. On vient de m'apprendre qu'ils mordent aussi lorsqu'on marche sur eux. Cela n'arrive jamais à nous autres religieux, car nous marchons toujours les yeux baissés vers le sol. On me dit tout aussi bien... En regardant le ciel. Nous regardons plutôt le sol pour ne pas risquer d'écraser un insecte, fût-ce une coccinelle. Et un serpent, ça se voit. Même dans la pénombre? Près du seuil du temple, par exemple? Eh bien, vous ne répondez pas? Ça se voit même dans la pénombre avec ma vue. Qui est bonne. Mais... Votre supérieur. Du reste, personne n'a jamais vu des serpents se promener dans l'enceinte du temple. L'un d'eux peut s'échapper d'un panier. Les cobras des charmeurs. Ceux-là sont inoffensifs. Oui, je sais. Oui, tout Indien sait que les charmeurs de serpents ont soin d'enlever les crochets à venin avant de produire leurs bêtes en public. Dans ce cas, pourquoi me parlez-vous d'elles? C'est juste. Oui. Bon, eh bien, revenons à votre course dans la forêt. À quelle heure êtes-vous rentré au temple? Le soleil était à 2 perches au-dessus de l'horizon. 2 perches. Bon, disons 10 heures. Et l'office était alors terminé? Depuis longtemps. Dès 10 heures, vous avez donc constaté la disparition du supérieur? Oui. Et selon vous, il aurait disparu avant... Pendant ou après l'office? Pas avant, de toute façon. Je l'avais vu entrer au sanctuaire. Et quand vous avez constaté la disparition, les sandales du supérieur étaient-elles encore sur le seuil? Non. Le supérieur serait donc parti chaussé? Oui. Non. Moine nanak. Non quoi? Il était parti sans ses sandales. Pour la bonne raison que vous les avez en ce moment à vos pieds. Qu'est-ce qui vous dit qu'elles ne m'appartiennent pas? Leur pointure. Et qu'est-ce qui vous dit que le supérieur n'en possède pas de paire? Son avarice. Pourquoi avez-vous menti? Hein? En mentant pour les sandales, pourquoi n'auriez-vous pas menti sur l'heure de votre départ pour la forêt? Et celle de votre retour au temple? Et qu'est-ce qui me dit que vous étiez parti ce jour-là pour la forêt? Hein? Allons dans votre cellule. Il n'y a rien là-dedans qui puisse vous intéresser. Ça me regarde. C'est ici, entends. Tiens, voici vos sandales. Vos sandales, à vous, de votre pointure.
Bien sûr, elles sont usées jusqu'à la corne. Pauvre Nanak. Mais maintenant, à vous les honneurs de l'officiant. À vous l'insolence et les sandales. Et peut-être bientôt aussi les 25% de recettes. Bientôt les 2 × 2 font 4 et je retiens un. Hein? La revanche! La revanche de 5 ans d'humiliation. Je vous défends, commissaire. Tiens, voici d'autres herbes. Quelle vertu ont-elles, celles-ci? Contre quoi les employez-vous? Contre les morsures de cobra, je parie. Permettez que j'en emporte un échantillon pour l'Institut de toxicologie. Allez, maintenant sortons. Ah! Nanak, avant que je vous quitte, avez-vous quelque chose à me dire? Par exemple, sur les fidèles qui affluent chaque jour au temple. Ah, l'accès du temple est ouvert à tous. Question ridicule. Bien sûr. Même aux profanes. Enfin, aux adorateurs d'autres divinités. Bien sûr. Qui avez-vous vu ce jour-là, à l'office? Mais il y avait foule, comme toujours. Mais dans cette foule, vous avez dû repérer des visages connus. Ceux de vos victimes, entre autres. De Sarami, de Mipa, de Mademoiselle Wai. Avez-vous vu ces 3 jeunes filles? Vous ne m'intimidez point, commissaire Singh. Oui, je les ai vues avant l'office. N'étant pas croyante, ni encore moins pratiquante, que venaient-elles faire au temple? Demandez-le-leur. Enfin, selon vous, avaient-elles quelques motifs? La veille, j'avais emporté les 30 statuettes de Saramia. Ah! Faute de pouvoir les loger chez Mipa, qui l'héberge, elle les avait exposées au soleil et à la pluie. Oui, alors Sarami serait venue pour les réclamer au supérieur. Sans doute. Et où avez-vous installé ces statuettes? Dans la cellule du supérieur. Pourquoi pas dans le temple même? Dans le temple, elles seraient du coup consacrées, et Sarami ne pourrait pas les vendre. Et Sarami s'est-elle opposée à cet enlèvement illégal? Oui, bien sûr, mais pour la forme, enfin, mollement. Savez-vous qu'il y avait eu une entrevue entre le supérieur et les 3 jeunes femmes? Non. Avez-vous dit à Sarami que les statuettes étaient dans la cellule du supérieur? Non, je ne l'ai pas revue depuis. Mipa et Mademoiselle Vary non plus? Non. Donc, si elles savent à présent où se trouvent les statuettes, il faut qu'elles aient eu une entrevue avec le supérieur. C'est l'évidence même. Mademoiselle, que votre meilleur logement actuel soit le pire dans votre avenir. Salut, commissaire. Vous venez avec un mandat d'amener cette fois? Non, vos cobras ne m'intéressent plus, Mipa. Non, voilà bien les hommes. Et à quoi vous intéressez-vous aujourd'hui? Aux 30 statuettes, Mademoiselle Wai. Ainsi, après les serpents, les autorités s'inquiètent des statuettes de Krishna. Pas les autorités cette fois, le supérieur. Pourquoi riez-vous? Le supérieur a des raisons de s'en inquiéter, vous les exposiez au soleil et à la pluie. Mais puisqu'elles sont à l'abri, pourquoi s'en inquiète-t-il? Mademoiselle Wai, elles sont à l'abri? Le supérieur vous aurait tu ce détail? Une question stupide, où serait-elle mieux à l'abri qu'au sanctuaire? Pas au sanctuaire, malheureusement. Tu parles trop, Mipa. Pourtant, on ne range pas les statuettes de Krishna dans les recoins du temple comme de vulgaires objets. Et dans la cellule du supérieur? Vous êtes donc entré dans la cellule du supérieur? L'accès nous en est interdit, commissaire, vous le savez. Ben justement. Il paraît que nous sommes des impurs. Tais-toi, Mipa! Ça n'a rien à voir avec l'interdiction, Mipa. Donc, ne voyant pas vos statuettes au sanctuaire, ni dans les recoins du temple, vous en avez conclu qu'elles étaient dans la cellule du supérieur. Mais pourquoi pas dans la cellule du moine Nanak? Le supérieur le méprisait trop pour les lui confier. Le fait est qu'elles sont chez Nanak. Oh, il a menti, tête de hibou. Ses tantes n'ont pas eu de nez pendant 5 générations. Ses sœurs, pas davantage, d'accord.
Le fait est que j'ai vu les statuettes dans la cellule de Nanak. Ce n'est pas vrai. Mais pas. Veux-tu me laisser seule avec le commissaire? Non, je reste. Bon, alors reste, mais laisse-moi parler. Oui, commissaire. Il est possible que les statuettes se trouvent maintenant dans la cellule de Nanak. Ah. Mais c'est qu'il les aurait transférées de la cellule du supérieur dans la sienne. Pourquoi? Parce que le supérieur est mort. Qui serait le meurtrier selon vous? Nanak? Ça vous regarde? Mais l'arme du crime. Les cobras? Et je dis les cobras. Vous n'avez donc pas lu tous les journaux de ce matin? L'un d'eux avance même un chiffre, 2 cobras. Et le médecin légiste ne le dément pas. Vous vous désintéressez toujours des cobras de Mipa? De cela, oui. Il y aurait donc 2 autres, et qui seraient venimeux. Alors fouillez, fouillez ici chez Mipa, dans les environs. On ne dissimule pas facilement 2 serpents de la taille et de l'encombrement d'un cobra. On ne garde pas non plus chez soi de telles pièces à conviction, mademoiselle Wise. N'est-ce pas? On s'en débarrasse plutôt. Ou on les laisse sur place. Sur place? Voulez-vous dire dans la forêt? En effet, là, ils se perdraient dans la nature. Dans la forêt... ou ailleurs. Salut, mesdemoiselles. Que le pire de votre passé soit le meilleur de votre avenir. Mais vous avez l'air tout ragaillardi, commissaire. Oui, Mipa. Cette nuit, j'ai médité un peu dans le temple. Et Krishna vous a révélé le nom du coupable. Serait-ce encore moi sa victime? Oh, toi coupable, Saramir. Toi coupable, avec ses yeux baissés, ce menton sur la gorge, ses coudes collés aux flancs, ses mains côté paume tournées vers le sol, ses doigts relevés et écartés, cette soumission entière et cette confiance qu'en Inde les oiseaux ont pour l'homme. Tu plaisantes, Saramir. Moi, j'ai plus de chance. Où sont les cobras? Ils vous intéressent de nouveau? Oui, oui, mais pas pour ce que vous croyez. Nous les emmènerons au temple pour une épreuve que j'espère décisive. Et vous nous l'annoncez comme ça, ouvertement? Peut-être suis-je convaincu à présent de votre innocence. L'épreuve serait donc dirigée contre Nanak. Et voyez-vous un autre suspect, Mipa? En quoi consiste l'épreuve? Vous n'êtes pas forcé de me répondre. Qu'ai-je à vous cacher? Voyons, à vous qui m'apporterez votre concours. D'abord, nous nous en allons d'ici à 7h30. Tiens, exactement l'heure de notre départ le jour du meurtre. Une reconstitution. Presque, mademoiselle Wye. Au temple, nous nous cachons derrière les piliers, sous la véranda, près du seuil. Immédiatement, Mipa lâche les cobras. Et nous attendons que Nanak paraisse. Exactement. Il paraît et il voit les cobras. Et ensuite? De son attitude devant les cobras, je tirerai les conclusions nécessaires. Ah, 7h30. En route. Suffiront. 2 cobras suffiront, je vous dis. Bon, allez, retirez-vous vite maintenant, Mipa. Sont-ils sages, hein? Ils ne bougent pas d'où Mipa les a placés. On dirait qu'ils ont été dressés pour cette épreuve. Silence! Quoi? Voici Nanak. Il regarde par terre. Oui. Il a l'air de se méfier. Il a vu les cobras. Oh, il a commis une faute. 2 fautes. 3 fautes. Je le tiens. Salut, Nanak. Que veut dire tout ceci? Que je vous arrête au nom de la loi. Vous? Pas de boniment. Plus de boniment. Vous expliquerez au commissariat. Allez ramasser d'abord vos cobras, Mipa. Et dites-leur merci de ma part. C'est ça, allez hop, dans les paniers. Par exemple? Qu'y a-t-il, Mipa?
Le troisième panier est vide. Je l'avais pourtant bien fermé. Il ne doit pas être loin, le fuyard. Ah, je l'aperçois, je l'aperçois. Je l'ai. Oh! Qu'y a-t-il encore? Rien, rien. Je l'ai, je l'ai. N'approchez pas, Nanak. Mais il est inoffensif, commissaire. Justement, non, pas celui-là. N'est-ce pas, Mipa? Eh bien, répondez, Mipa. Elle n'a rien à répondre. Si, mademoiselle Wai. Ne lâchez pas ce cobra-là, Mipa. Ne le lâchez pas contre moi, ou je tire. Bon. Mademoiselle Wai, vous ne me demandez pas pourquoi j'ai fait apporter 3 cobras alors que 2 seulement devaient servir. Mipa, tout à l'heure, quand vous avez poussé ce cri, vous veniez de reconnaître le cobra venimeux, puisque vous êtes la seule personne ici capable de le distinguer des 3 autres. Et d'où vient-il, ce cobra venimeux? Du temple, moine Nanak. Oui. Tout a commencé hier, mademoiselle Wai. Rappelez-vous encore la fin de notre conversation? Un mot m'a frappé, un mot de vous. On ne dissimule pas facilement 2 serpents de la taille et de l'encombrement d'un cobra. Bien sûr, on s'en débarrasse plutôt. On peut aussi s'en débarrasser tout en les laissant... Où? Sur les lieux du crime même, c'est-à-dire au temple. Et du même coup, cela accuse Nanak. Mais grâce à quelques fautes commises par cet écervelé de Mipa, je ne suspectais plus Nanak. Je me suis donc rendu le soir au temple. J'en ai fouillé les coins, les recoins, accompagné d'un employé de l'Institut de toxicologie. Le voici, d'ailleurs. Salut. Salut. Et nous sommes tombés au bout d'une demi-heure de recherche sur le cobra que tient Mipa en ce moment. Ce matin, il était posté bien avant nous, derrière un pilier. Et pendant que Mipa s'occupait de placer ses 2 cobras sur le seuil, il a ouvert le 3e panier, pris le 3e cobra. Et il a lâché, sous la véranda, le cobra venimeux. Il était au temple, oui, mais d'où vient-il? De la forêt. Mipa l'avait capté. Les journaux prétendent qu'il y avait 2 enflures au pied gauche du supérieur. Or, un seul serpent ne mord pas 2 fois, coup sur coup. Non, non, pas coup sur coup. Tenez. Démonstration. Je prends un des cobras inoffensifs. Tenez, passez-moi. Là. Voyez-vous? Et je marche sur lui. Là. Il me mord. Voyez? Là. Je remarche encore sur lui. Et il me remord à nouveau. Pas coup sur coup, mais coup après coup. Un seul cobra avait donc suffi. Et voilà. Maintenant, qui est la coupable? C'est moi. Sarami. Tais-toi, Sarami. Le jour du meurtre, commissaire, nous nous sommes rendus toutes les 3 au temple. Moi seule ai parlé au supérieur. Frère supérieur, lui ai-je dit. Frère supérieur, je viens pour les statuettes que vous m'avez volées. Volées? Mais elles sont dans ma cellule. Mais je me prépare à officier, femme. Rendez-les-moi. Va-t'en d'ici! Tu souilles le temple! Va-t'en d'ici, impur! Impur, impur! Avare et voleur, tes tantes n'ont pas eu de nez pendant 5 générations, et tes sœurs... Et il nous a chassés à coups de pied. Nous sommes rentrés chez nous. Mipa avait capté la veille un cobra venimeux. Elle n'avait pas eu encore le temps de lui enlever le crochet à venin. À son insu, j'ai pris le panier. Je suis revenue seule au temple. Saramir. Tais-toi, Sarami. Il y avait foule au temple. Elle se disperse peu à peu à la fin de l'office. Postée près du seuil, je verse le cobra sur les dalles. Le supérieur se dirige vers lui en tâtonnant. Il a mauvaise vue. Comme il allait se rechausser, il marche sur le cobra qui le mord au pied. Le supérieur s'affole, rentre dans le temple, en ressort aussitôt plus affolé encore. Remarche sur le cobra qui le mord une seconde fois. Il court vers la forêt en criant « Nanak, les herbes! Nanak, les herbes !» C'est tout, commissaire.
Et le moine Nanaku était-il à ce moment précis? Mais dans la forêt? Vous mentez! Vous avez assisté à la scène! Vous n'étiez pas sans savoir que Saramea viendrait réclamer son bien. Et vous détestiez! Vous haïssiez trop le supérieur pour renoncer à ce spectacle! C'est Nanak qui a assisté à la scène qui la confirme. Nanak, vous la confirmez? Oui. Du début à la fin? Oui. Dans ses moindres détails? Oui. J'ajoute cependant que je ne pouvais rien pour le supérieur. Les herbes ne se trouvent qu'à 1 heure d'ici. Or, le venin tue au bout d'un quart d'heure. Aussi, dès le lendemain, avez-vous eu la précaution de vous procurer ces herbes? Pour moi-même. Celles que vous avez découvertes dans ma cellule. Pourquoi n'avez-vous pas avoué tout ça plus tôt? Il n'appartient pas à un religieux de dénoncer qui que ce soit. Et le mobile du meurtre? Le commissaire ignore encore le mobile du meurtre. Non, Mipa. C'est très simple et très bête. La colère. Saramir, c'est la colère rentrée de l'Inde depuis des siècles et des siècles. La colère que la femme indienne nourrit contre l'homme qui la méprise. Du moins, elle le croit. Et le mot malheureux du supérieur, impur, impur, a tout déclenché. Et pourquoi ce mot impur a-t-il affecté Saramir plus que les deux autres? Parce que Saramir est la plus faible des trois. C'est une malade, au demeurant. Mais ça n'est pas parce qu'elle est malade qu'elle paraît être la plus douce, ou que ses yeux sont plus grands que sa bouche. Ses yeux reflètent-ils toujours la bonté pour vous, Nanak? Quant à la bouche... Tête de hibou! Tes tantes n'ont pas eu de nez pendant 5 générations. Tes sœurs... Cette fois, c'est pour moi. Vous voyez? Petite ou grande, une bouche de femme finit toujours par vous injurier. Oh! Tête de hibou! Tête de hibou! Tête de hibou! La charmeuse de serpent, nouvelle policière de Femme Van Ki, avait pour interprète Henri Guizol dans le rôle du commissaire Singh, Jacques Borel dans le rôle du moine Nanak, Marguerite Cassan dans celui de Mademoiselle Wye, avec Raymond Pellissier, Albert Gercourt, Marie-Jeanne Gardien et Gisèle Tourette.